Bon, là maintenant, c'est l'heure du ragréage. Et alors, j'ai une petite méthode pour vous servir un petit peu de repère. Puisque là, quand même, le sol est assez chaotique. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de poser le laser au sol, vous voyez, comme ça. Et ensuite, ça vous sert de guide. Vous voyez, donc là, toute la pièce, je peux avoir le guide, hein, voilà. Et ensuite, je vais poser mon mètre. Ce qui fait que si je pose mon mètre à des endroits clés de la pièce, vous voyez, j'ai un repère. Donc là, par exemple, je suis à 4,5, ici, sur le mètre. Si je vais au fond, je suis à 5,5 au fond. Donc ça veut dire que j'ai un centimètre de moins, vous voyez, et il faut que je charge, il va falloir que je charge pas mal ici pour arriver au même niveau que là-bas. Et ici, en fait, vous voyez, c'est les marques du carreau, là, c'était une pose scellée. Donc moi, en fait, je vais arriver ici avec le ragréage. Je vais passer le ragréage dessus, mais ça va être à zéro.